Hey yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture et je suis super content aujourd'hui parce qu'on va s'ouvrir 4 boosters assez rétro qui commencent à coûter pas mal et qui commencent à devenir du coup galère à trouver. Les voici, 4 boosters XY étincelles, la deuxième extension du bloc XY. Voilà, moi qui disais que j'aimais pas le bloc XY, je me retrouve à ouvrir du XY, aïe aïe aïe. Et j'en ouvre beaucoup en plus, c'est ça le pire. Alors, c'est sorti en quelle année? En 2014, comme vous le voyez ici. Donc voilà la description, hein, si vous voulez lire. On a donc les 4 boosters avec Mega Dracaufeu X, Kangourex, Mega Dracaufeu Y et Nemelios. Donc que des. Non, bah non, Kangourex, c'est Pokémon de l'ingé. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Mais en tout cas, ça commence à valoir cher ces boosters, les mecs. Ça commence à devenir compliqué de s'en procurer, vraiment. Je les ai payés il y a quelques temps. 35 € les 4, ce qui était pas cher. Maintenant, ça vaut presque 20 € le booster. C'est n'importe quoi. Ça a monté d'un coup. Le bloc XY qui commence à monter, c'est abusé. Donc je suis content d'avoir eu ces boosters avant parce que maintenant, ça fait vachement cher l'ouverture quand même. Et ils sont plutôt stylés, je trouve. Alors, il y a certains boosters qui viennent de coffret. De ce que j'ai cru comprendre. Enfin, oui, ça vient de coffret. Des coffrets où est-ce qu'on a que des boosters étincelles. Et du coup, bon, on va s'ouvrir ça, les mecs. Hein. On va les ouvrir dans l'ordre ici. On va commencer par. Tu sais, j'ai espacé les Dracaufeu. Hein, pour faire genre. On va pas se taper les deux Dracaufeu d'un coup, mais espérons qu'on ait une bonne pioche parce qu'il y a des cartes super, super stylées dans cette extension. Enfin, il y a beaucoup de Dracaufeu. C'est pour ça que ça coûte aussi cher. Mais il y a pas mal de cartes aussi stylées à part. Donc, on va essayer d'en choper, en fait. Voilà. C'est parti, du coup. Avec le booster Mega Dracaufeu X. On va essayer de bien ouvrir les boosters parce que, ben voilà, comme d'habitude, je vais pas ouvrir ça x40. Donc, ça serait cool que j'arrive à avoir des boosters bien ouverts pour ma collègue. Sinon, faut que je les trouve ailleurs après. Dans Destiny Radius, par exemple. Heureusement que je vais en rouvrir parce que, franchement, la première fois que j'en ai ouvert, c'était pas fameux. Et là, c'est pas fameux non plus. Regarde comment ça se. Mais ça se déchiquette, ça se déchiquette. C'est impossible à ouvrir, en fait, mon gars. C'est pas possible. Les boosters, ils se déchiquettent. C'est des boosters en polystyrène. Genre, tu commences à forcer un peu dessus, pouf, ça se casse en 1000 morceaux. Aïe, 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 hop. Par contre, les cartes à code étaient stylées. Quand même, les cartes à code sont plutôt sympas. Alors, c'est parti. 1, 2, 3. C'est 1, 2, 3, 1, 2, 1. Étincelle, tu connais. Voilà. La qualité des cartes, on regarde parce que ici, c'est pas fameux en général. Là, c'est pas méga ouf, je t'avouerai. Mais bon, c'est tranquille. Alors, on va zoomer un peu. Hop, je le fais doucement pour pas me louper. On commence donc avec Pomme de Pique. Il faut savoir que j'en ai jamais ouvert, donc je découvre l'extension là. Pomme de Pique suivie d'un Nobali. Ok. Suivi de Laporeille, Pokémon de la 4G. Suivi de la première carte du set, le Chenipan. Ok. Donc ça veut dire que. Il y a. Comment il s'appelle? Papilusion. Ouais, c'est ça, Papilusion. Ensuite, un Pokémon de type électrique, Galvaran. C'est Pokémon de la. C'est Pokémon de la 5G, ça, ouais. Voire même. Attends, non, c'est 6G, Galvaran. Hein. C'est pas la 5G. Hein. C'est Emolga, la 5G. Je me suis planté. Recoupe, ça, ouais, purée, il est sympa. Pour une Unko. On attaque les Unko. Ensuite, une traîneur, le mégaphone surprise, waouh. Ensuite, un Luxio, plutôt sympa, en reverse. Je me demande ce que tu as comme bonne reverse à avoir dans l'extension, je n'ai pas trop regardé. Ah bah, une traîneur, la dame du centre Pokémon. Bon, cette carte, elle a tellement été rééditée que, pff, franchement, osé faire un peu de l'avoir. Hein. Pas ouf pour commencer la reverse, mais bon, c'est pas gravé en rare, attention. Alors, on aura sans doute une rare simple. La femelle s'enroule autour des petits pour les bercer. Il accule l'ennemi grâce à sa vitesse. What the heck? Trésor enfoui. 162 Pokémon allongés. 162, c'est de la 2G. Mona Flemmite. Je me suis fail. Ah non, c'est Fouinard. Ok, Fouinard en rare. Bah, j'aurais pas deviné cette description, clairement. Mais tranquille. Ensuite, le booster Kangourex.
Allez. Oh là bah, il s'ouvre ultra méga mal. Genre le truc s'est coupé ici. Oh là là. Je suis en train de faire un carnage. Massacre. Massacre. Aïe aïe aïe. Non mais par contre c'est vraiment les pires boosters du bloc XY en termes d'ouverture là, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça gros. J'ai jamais vu des boosters qui s'ouvrent aussi mal. C'est la honte. Je suis obligé de l'entailler comme ça. C'est vraiment. Ah purée, c'est vraiment ce que je déteste faire là. Ah mais c'est pas possible. Tu vas t'ouvrir s'il te plaît? Arrête de résister s'il te plaît. Ça ne sert à rien de toute façon, c'est déjà trop tard. Tu es destiné à mourir, alors meurs. Meurs avec un peu de dignité s'il te plaît. Merci. Bon, j'ai galéré. Je vous ai épargné ça. C'était la galère. 1, 2, 3, 1, 2. Pour mettre la rare et la reverse à la fin. Garder un maximum de suspense. Waouh, un moufouette assez spécial. Qui a l'air heureux. Suivi de Skellenox. C'est bien quand on a des illustrations qu'on n'a pas encore vues. Suivi de Flabébé. Ok. Pomme de pique. Qu'on avait déjà eu. Fouinette, bah qu'on n'avait pas encore eu, ouais. Ensuite, on passe aux peu communes. On a Escroco. Sympa. Sympa, sympa. J'aime. Encore une traîneur, ah bah la 93e. J'ai reconnu quand j'ai tiré, Dame du sang de Pokémon. Ouais. Un Terraclope. Ah oui, c'est vrai que t'as du Nocturne Noir dans la série et il est holo même. C'est une des cartes que je connais. En reverse d'ailleurs. Ah, on aura une rare reverse de type métal. Bon. Alors, il est prisonnier d'une coquille d'acier. Ses yeux vigilants sont la seule partie visible de son corps. Moi, je dirais Fortress. Est-ce que c'est une holo ou une rare? Ouais, c'est bien Fortress. Bon, vu la tronche de l'illustration, ça a l'air d'être une rare, je pense. Mais elle est jolie, elle est jolie, ça va. Les Fortress, c'est pas super joli en général, mais là, le fond rend le truc un peu sympa, donc ça va, ça passe. Et en rare, on aura. La soisse. Oh non! Oh non! Ben, on va voir. On va voir tout de suite si c'est une rare du coup. PTDR. Fortress en rare du coup. Eh non, mais en vrai, j'aime pas quand tu fais ça. J'aime pas. Je suis pas un grand fan. Je suis pas un grand fan de foutre la même carte deux fois d'affilée. Sauf quand c'est une bonne carte, tu vois. Mais là, non. Là, c'est pas ouf. Bon. Ensuite, le booster Méga Dracaufeu Y. Allez, s'il te plaît. Toi, frérot, ouvre-toi bien, genre, vraiment. S'il te plaît, fais un petit effort, je ne sais pas. Montre-nous que que tu es là. Aïe, 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 aïe. Ça pique. Je suis obligé de l'ouvrir comme un papier. Mais il veut pas bien, ils veulent pas bien s'ouvrir, c'est abusé, genre. Ils sont, je vous jure, ils sont trop fragiles là. Ils sont vraiment, vraiment trop fragiles. Et encore, ça va, il est pas si mal ouvert comparé aux autres, vraiment. J'espère que Nemelios s'ouvrira bien parce que là, sérieusement, je galère trop à ouvrir. Hop. Ouh, la carte rare, elle est dans un état, mon gars. Elle est assez propre quand même. À part les coins qui sont recourbés, mais bon, ça c'est impossible. Mais moi, je te parle niveau point blanc, ça passe. Ah bah tiens, Moufouette. Comme dans le deuxième booster, pour commencer. Ensuite, Lixie, qu'on n'avait pas encore eu. Fluvetin. Pokémon de la 6G que je connais pas beaucoup. Et Lionceau, bah oui, forcément, il y a du Nemelios, hein, il est sur le booster, donc forcément qu'il y est quelque part. Skelenox. Les Zunkouf, le flambeau incandescent. Ah, c'est Crawl, Pokémon aussi de la 6G. C'est vraiment des Pokémon que je connais pas beaucoup, ça. Vraiment des Pokémon que je connais pas beaucoup. Et Farfuret, ok, il y a du Dimoré, donc. Une rare, une holo, je sais pas. En reverse. Allez, vas-y doucement. Une commune reverse, la 19e, c'est peut-être Lionceau encore. Plus l'adversaire auquel il est confronté est fort, plus la température de sa crinière augmente, l'énergie générée se diffusant alors dans tout son corps. Moi je pense que c'est ça. Il parle de crinière, ouais, c'est ça, c'est le Lionceau qu'on a eu dans le booster. Et un rare. Encore une rare.
S'ils se sentent menacés, ils lèvent les oreilles et déchaînent un pouvoir psychique capable de réduire en miettes un camion de 10 tonnes. Waouh! C'est du sérieux. Attention, qui ça pourrait être? Numéro 678, Pokémon Self-Control. Oui. Comment dire? Bon, alors là. Je sais pas, Sidérella peut-être? Est-ce que c'est de la 6G, Sidérella? Mystigrix. Ok. Peut-être, mais je sais pas, loupé en tout cas. Non, je crois en plus que Sidérella, c'est de la 5G. Pokémon Self-Control. D'accord. Ah, je suis à 3 rares. Aïe, 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 aïe. Allez, frérot. Porte-moi chance, frérot. Régale-moi, mets-moi un truc, s'il te plaît. Vous savez qu'en général, j'ai souvent la meilleure pioche dans le dernier booster. C'est arrivé dans beaucoup de mes vidéos. Donc, allez. Allez, Nemelios, fais quelque chose, s'il te plaît. Parce que là, c'est pas fameux, je t'avouerai. Hein. Purée. Ah ouais, bah alors tiens, le booster qui s'ouvre le moins bien des 4. La languette, elle a même pas voulu partir. Donc, comme ça, c'est fait. Là là. Regarde ça, comment je suis en train d'essayer d'enlever la languette. Comme j'y arrive même pas. C'est d'enlever la languette, mais elle veut pas. Oh, de l'autre côté, elle s'est plutôt pas mal enlevée. Ok. Ce que j'aime pas vraiment, c'est entailler l'avant du booster. C'est sacrilège. 1, 2, 3, 1, 2. Allez, s'il te plaît, cette fois, frérot. Cette fois, frérot, régale. S'il te plaît. Est-ce qu'on fait le maraboutage spécial? Vas-y, on fait le maraboutage spécial. Ceux qui me connaissent pas, ils doivent être en mode what the fuck. Ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Voilà. Alors, c'est parti. Avec des cartes dans un booster qui est assez. Le bord est assez gros en bas. C'est parti avec Mascaïman. Ah, suivi de Ponyta qu'on n'avait pas eu. Mascaïman aussi, je crois qu'on l'avait pas eu d'ailleurs. Ponyta, bon, plutôt sympathique. Il y a mieux, mais ça va. Farfuret, tiens, un autre Farfuret, alors qu'il y a un Farfuret en peu commune, il y a un Farfuret en commune aussi. Ok, pourquoi pas. C'est la logique d'Asmodée, ça. Toujours. Granipiote. Ouais, non, c'est. Ouais, si, c'est ça. Grénipiote, plutôt. Grainipio. Ça se dit pas trop, Grainipio. Venalgue qu'on n'avait pas eu. Ah oui, Venalgue qui évolue en. Ben, je me souviens plus. Je vois la tronche du Pokémon, mais je me souviens plus comment. Cravarec. Cravarec. Ça m'est revenu quand même un minimum. Les Lesenko déjà au oh, Roserade. Oh, ah oui, un Roserade un peu commune. Ça va, il est plutôt beau. J'approuve. J'approuve, mais t'aurais dû le faire en rare quand même. Encore une traîneur. L'appel rusé, ok, yes. Très content d'avoir ça. Brésillon. Allez, la dernière reverse. Un petit truc cool. Une petite rare reverse, s'il te plaît. Type fée et une commune. Capable de libérer et de contrôler la force cachée des plantes, la fleur qu'il tient fait partie de lui. Bah, c'est sûrement Flabébé. J'ai du mal à lire avec l'effet reverse la description, c'est pour ça là vous me voyez bégayer. C'est Flabébé donc en reverse. Ah, mes docs collent un peu. Et en rare, la dernière, allez, ah, s'il te plaît, en vrai. En vrai, ce serait cool que tu fournisses un petit truc sympa, tu vois. Parce que je vais pas en ouvrir souvent de cette extension. Allez. On y croit, ça sera. Bon, ça sera pas une ultra pour commencer, mais bon. Peut-être une bonne carte? La 7 sur 106, ce Pokémon est le gardien des forêts, il peut lire les pensées de ses ennemis et agir en conséquence. Bah, franchement, ça me fait penser à Celebi, ça. Bon, si c'est Celebi, ça peut être une holo, non? Enfin, c'est peut-être pas Celebi ensuite, mais on va essayer de pas voir s'il y a un stylo graphique. Numéro 275, Pokémon malveillant. Il est censé être le gardien des forêts, Pokémon malveillant. Oh, je sais pas. Hein. Allez. Ah, oh, c'est Tangalis en holo. Ouf, merci. C'est Tangalis. Ah, bah Tangalis, ça va pour une holo. C'est pas si mal. Bon, j'avais quand même un booster sur les 4 qui contenait un bon truc. Au moins. Et j'ai même pas mes sleeves. Bon, je la pose là en attendant, mais je vais en prendre soin, vous inquiétez pas. Bon, voilà, au moins une holographique sur le dernier booster. Et pas facile d'avoir des ultras dans le bloc XY, mine de rien. L'état est pas mal. C'est pas facile d'avoir de bonnes cartes dans ce bloc, hein. Vraiment pas facile. Genre, c'est la galère. Peut-être que j'en rouvrirai du coup parce que la pioche était pas super satisfaisante. Mais au moins, il y a une holo à la fin. Donc, t'as vu, ça va. Bon, c'est pas une ouverture folichonne, mais bon,
Il y a encore d'autres trucs qui arrivent, donc ne me fais pas de soucis. J'espère que vous avez aimé la vidéo en tout cas. On se retrouvera bientôt pour d'autres ouvertures, toutes plus folles les unes que les autres. Oh, voilà, ça fait un peu cringe comme sketch. Mais bon, d'autres ouvertures en tout cas. C'était Cider, je vous fais des bisous, à plus.